Hey, salut tout le monde, c'est Eldrazi et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 11 de Lumen. Wouhou! Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Donc, je tourne cet épisode juste après l'épisode 10, comme ça au moins je suis large. De toute façon, il faut absolument que je finisse cette série avant les vacances, parce que durant les vacances, je vais avoir très peu de temps pour filmer, comme à chaque vacances, puisque je ne suis pas dans ma chambre. Voilà. Donc, dans cet épisode, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller à Redza, donc c'est une ville en ruine. Mais avant toute chose, on va essayer de vendre des trucs qu'on a qui nous sont plus utiles. Donc, on va parler au commerçant, gnagnagna. Donc, ce n'est pas toi, c'est lui. Ha, gnagnagna. Autant je lis pas, ça ne trouve pas l'utilité. Et on va vendre des trucs qui nous sont, je pense, inutiles. Ça, on va garder, on va garder, on va garder, on va garder, on va garder. Et finalement, on va rien vendre. Et de toute façon, on n'a pas d'or, donc on peut rien faire. Donc les gens, on va y aller tout de suite. Et puis, voilà, donc nous allons sortir. Quitter la ferme Bacchus, voilà. Voilà, 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 donc... Vincent, si c'est possible, j'aimerais bien en profiter pour rendre visite à ma grande sœur, Nouvelle-Réza. Nouvelle-Réza ? C'est là qu'elle vit? Étrange. Je pensais qu'il n'y avait que les survivants de Redza. Ce n'est pas parce que nous sommes nés à Dranavel que nous devons y rester, et pour toujours alors. D'accord? Je ne garantis rien, Charon, mais c'est possible. Nous irons voir. Et Charon est tout à gauche, donc nous allons tout de suite aller chez Charon, enfin chez sa sœur. Non, elle va vouloir rentrer, rester sur la carte. On va essayer d'éviter le combat, j'ai pas envie de me battre là aujourd'hui, je sais pas, je suis pas chaud. Et merde, voilà, il faut que je dise pour me combattre, putain. Bon, Capetas, on va faire Lumina, sur l'autoroute là ou je sais pas quoi. C'est la peur. Ah, je vais essayer de synchroniser avec les poudres de machin chose hyper spécial. Merde, je me suis foiré. Bon, au moins, ça va lui faire perdre un peu de vie. Mais c'est pas grave. Pouah, comment qu'il est puissant, le gars en bleu. Il faut seulement que je le capture. Je pense que c'est une créature... Oh, foudre. Oh, mais il est de l'eau qui est tombée. Oh, yeah, père. Synchronise. Je sais pas s'il a synchronisé. Oh, non, 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 non. J'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie. C'est bon, il est pas mort. Allez, synchronise, s'il te plaît. Synchronise. Non. Synchronise le bleu, je veux juste que tu synchronises. S'il pouvait synchroniser, ce serait sympa. Ok, il a pas synchronisé. Bon, c'est pas grave. Oui! Oui! Il a synchronisé! Il a synchronisé. Putain, ben, coup, il a plus de vie. Faiblesse, foudre. À coup hasard, obtenu. Mais mon personnage principal n'a plus de vie. Ce qui veut dire... Je vais te défoncer par contre, parce que t'es tellement puissant, toi. Il faut que tu meurs. La Brazero. Je prendrai la potion après, hors combat, avec... Comme ça, ce sera tranquille. Quoique là, j'ai peut-être un doute. Non, on va pas utiliser le Sacrum Balsa, c'est complètement stupide. Bon, pour le moment, je n'ai toujours pas perdu la main avec les QTE, c'est sympa. Putain, mais il a combien de vie, ce machin bleu? Oh, je vais mourir, je vais mourir. Voilà. Il faut que tu meurs pour la France. Oui, tu es mort pour la France, c'est bien. En fait, les gens, vous savez que j'ai découvert un truc. Que l'union fait la force est la devise de la Belgique. Par exemple, nous, la France, c'est égalité, fraternité... Non. Liberté, égalité, fraternité, excusez-moi. Eh bien... Entrer dans Nouvelle-Réza. Eh bien, en Belgique, c'est l'union fait la force. En fait, c'est le seul... Enfin, j'ai vu ça à la JAPD, c'est le seul truc que je me rappelle. Quoi, c'était passionnant le délire. Nouvelle raison, nouveau départ pour les miracles. Culé. Si
je lis pas tout de la phrase, ça va mal faire. Bon, tout d'abord, on va prendre des potions. Parce que c'est bon les potions, parce que c'est bon, ça a un goût de litchi. Litchi, c'est dégueulasse. On donne beaucoup de PV, mais je vais prendre de la grosse. Non, pas que je suis comme ça, mais voilà, quoi. Et tout simplement, les gens, avant d'aller voir Charon, je vais d'abord échanger les rapports avec mon autre copain. Simon! Simon, alors vieux! On prend le bon temps au bord du lac de Nouvelle-Réza? Je reste toujours à l'écoute des rumeurs et d'autres histoires de créatures légendaires. Nouvelle-Réza est paisible, mais les gens aiment parler. Et puis, ils sont tellement accueillants après ce qu'ils ont vécu. C'est remarquable, vraiment. Alors, Marco, dis-moi que tu m'apportes des choses intéressantes. Échanger rapport. Les aquasars, j'ai toujours rêvé de nager comme eux. La rumeur raconte qu'il y aurait vivant au fond des océans. Mais moi, j'en ai eu un vivant sur Terre. Sur la Terre. Et ces territoires, ils seraient aussi nombreux que les hommes et plus avancés que nous, technologiquement parlant. Incroyable, non? Perle de l'explorateur. Bah, c'est sympa. Une perle d'explorateur? À quoi ça sert? C'est un bijou? Tu peux t'en servir comme bijou si tu veux, mais il s'agit surtout d'un objet très recherché qui témoigne de ton courage et de ta force. C'est juste ça? Ouais, j'aurais préféré quelque chose de plus utile, une potion, une arme, un truc du genre. Mais cet objet est extrêmement utile, beaucoup d'expéditions s'en servent comme garantie pour recruter les puissants guerriers. Et en plus, cet objet va se vendre très cher à Sandoria. Crois-moi, c'est dans ton intérêt de le garder et de te réjouir de cette récompense. Ok vieux, si tu le dis... Je te fais confiance. Alors, je m'excuse les gens pour cette voix complètement ignoble que j'ai fait et complètement chiante à mourir. Oh, des taureaux. Enfin, non, c'est pas des taureaux. C'est quoi? Vous êtes quoi, vous? Je vous mens, en fait. Mais, vous êtes quoi? Oh, une maison. Oh, une idole centenaire. Mais on va s'aperler. Voilà, ça veut dire bon. Et, je vais te parler parce que je suis un queudin. C'est la caverne de Bacchus. Au plus les jours passent, au plus elle se délabre. C'est désolant. Marcus, je crois que j'ai dit Bacchus, ou je sais pas quoi. Il regarde son chat, il a tenté de le rejoindre dans la caverne. Mais le scorabe l'a attaqué et lui a crevé un œil. Quelle tristesse. Rien à foutre en fait. Strictement rien à foutre de ta vie. Moi ce que je veux c'est trouver la mer ou je sais pas quoi de Charon là. Je pense que c'est... Par là. Apparemment, non. Ah si, Charon. Salut, Tourette, alors. C'est moi qui suis obligé de te rendre visite, sinon tu ne viens plus jamais nous voir. Charon? Ça alors, j'ai une surprise. Mais je suis content de te voir. Ça faisait long bail, frérot. Quel look. Habillé comme ça, elle ne passe pas inaperçue. Hein. On dirait une pute. Non, une femme qui fait le trottoir. C'est plus poétique. Je suis venu te voir car je risque d'être absent longtemps, Dranavel. Je me suis trompé dans les voix là, c'était unique. Je vais bientôt te rejoindre les rangs du Sion. Le Sion, Charon? Tu n'avais pas besoin de prendre tant de risques pour t'éloigner de papa. T'éloigner de papa? Parle de Bolton. J'étais sûr que tu ramèneras encore tout à lui. Le Sion, c'est ma décision, mon choix. Et doucement, frérot. Je ne voulais pas t'énerver. Je suis très juste désolé pour toi. C'est bon, c'est pas grave. Je voulais juste te passer pour te dire au revoir. Nous allons repartir. Je suis susceptible, Charon. Non, je ne fais pas ça pour papa. Je ne le fais pas pour... Enfin, je... Allez, Charon, tu as déjà beaucoup de retard sur Binko. Lui s'entraîne déjà seul dans la forêt des rêves depuis un moment.
J'ai utilisé un sort de confusion sur ce lapin. Tu ne devrais pas trop avoir de problème pour le toucher. Dépasse Pinko Melsa. Et je fais quoi là? Ok. Concentre-toi un peu plus. C'est comme ça que tu penses faire l'ombre de Benko? Bon, ce lapin n'était pas très rapide. Alors tu n'as pas vraiment de mérite. Allez, on continue. On continue avec cette volaille. Elle est plus grosse, mais plus vorace que le lapin. Je te conseille de la toucher rapidement. Oh, comment, regarde, j'ai de la feintée. Fais chier. Tu comptes vraiment rejoindre le Sion? Tu vas devenir lent, tu vas devoir t'entraîner encore et encore. Tu peux pas tirer dessus, papa? J'ai tué la poule, quoi! Toutes ces flèches gâchées pour tuer cette volaille, c'est pathétique. On continue encore l'entraînement. On termine avec ce bourdon titan. Cette bestiole a de sacrés réflexes. Vaut mieux que Benko la... Faut mieux que Benko et il tue là. Je me suis foiré en fait. C'était fait mieux que Benko et tue là. Ah, ça là. Peut-être toucherais-tu ta cible plus facilement si j'étais encore plus dur avec toi, comme si Rocco était avec Benko. Bon, ce bon tantantant n'avait pas l'air en forme, c'était presque trop facile, on recommence demain. Tu dois intégrer le Sion et faire honneur à notre famille, alors ne fais pas cette tête, compris? Oui, papa, d'accord, je vais fermer ma gueule et respecter tes hommages. Chéron, est-ce que ça va? Ouais. Nous allons... n'en parlons plus, s'il te plaît, Belsa. La dextérité de Benko et Chéron augmente de 20. Ouah, parce que j'ai discuté. Oh, il y a un bouddhiste. Baptiste Carabée. Parfois, un grand malheur nous permet d'entrevoir la vérité. Et alors le monde de nous paraît tel qu'il est réellement. Vaste, infini. Non, je me suis foiré. Bande d'eau, rendez-moi belle dangle. T'es devenu un empereur dinois. Oh, le cliché que je suis en train de faire. Je m'excuse à tous les personnes qui t'appellent dangle et qui disent dinois. Dès que tu fais un accent d'eau, complètement pourri, mais je devais le faire quand même. Oh, des fringues bleues! Je veux des fringues bleues! Je veux des. Oh, le mec, il est en slip. Pourquoi il prend un habit? Bon, on part. Mais quitter Nouvelle Reza. Et maintenant, il faut aller à Reza. Reza, je suppose que c'est le gros machin en plein milieu. Parce que voilà, Reza, il faut pas un truc de PD, quoi, c'est... Non ! Fais chier ! Je vais supprimer ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Je viens de faire une connerie ! Donc, je viens d'utiliser un sort tellement puissant sur une bestiole totalement pourrie ! Mais qu'est-ce qui m'est arrivé dans ma tête? À ce moment-là, les gens, il faut me l'expliquer! Flèche. Fira, Terra, Aqua. Je vais prendre Terra, rien que pour le lulz. Simplice, ma'am. Non, simplesse, ma'am. Voilà. Et maintenant, je vais balancer une. Je suppose que c'est des bestioles terre, là, ça se voit rien qu'à leur couleur. Oh, le racisme. Poudre terrestre. Je suis arrivé! 30 PV, c'est cool. Et là, on va l'attaquer avec Lumina Reza. Lumina Reza, je crois que c'est une nom de map dans... Battlefield. Oui, nous avons synchronisé avec la racine dégénérée. Donc, ses faiblesses, c'est la foudre. Et je viens de faire une connerie, je crois que j'ai balancé une flèche Terra. Non, c'est Fira, c'est bon. Meurs, 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 meurs. Je vais faire le truc de soin sur Charon, ça m'évitera d'utiliser une potion. Ça sent que je crois qu'il... Sachant.
Sachant que je crois qu'il y a un truc... Oh merde, tomber le bouclier. Hein. Ça va me permettre de gagner un peu de points de magie. Alors. Putain, il m'a enlevé de la vie. Sharon. Oh, non. Terra. Je crois qu'il va y avoir un truc, si je me rappelle bien. Je crois, si je... enfin je sais plus trop. Il va y... Je crois qu'il y a un truc à la con dans Reza. Là. Et il faut être bien stuffé, bien magie, bien vie et tout. Donc ça va être la misère. Je vais t'attaquer à l'épée tout simplement. Hein. J'ai plus que ça à faire. Ah, j'aurais pu récupérer de la magie. Bon, c'est pas grave. Il est mort? Non, ça va. Et tu vas mourir si... Merde, je me suis trompé. Bras zéro. Je peux aller dans Reza ou pas? Ah non, c'est vrai, il faut que je fasse tout le tour, il y a tout une après. C'est quoi ça là-bas? Je suis curieux, ouais, alors. Entrer dans Reza. Ah ben c'est ça, Reza en fait. Ok. Lol, je crois que c'était la grande forteresse, mais non, en fait, c'était le petit village juste à côté, tout pourri. Et mais du coup, avant d'avancer, je vais tout simplement me donner de la vie et de la magie, parce que je pense que je vais me faire bien défoncer. Reza, ville morte, terre dévastée. Parce que lui, il est... Oh. Reza, on dirait presque qu'il fait nuit, tout est démoli, c'est sinistre. C'est à cause du nuage de poussière permanent qui flotte dans ces lieux. Reza a été presque directement touché par la chute des météores. La chute des météores? De quoi il s'agit exactement? Putain. Trop court théorique encore. Il ne sait vraiment rien. Et il est irrécupérable. Quelques jours après la découverte du Lumen, il y a eu une réaction. Cette chose a émis un rayon lumineux très intense vers le ciel. Quelques heures plus tard, d'énormes météores tombaient en direction de Piastol. C'est à ce moment-là que Reza a été touché. Et que des milliers de personnes sont mortes. Cette zone, on l'appelle le champ des météores. Tout le monde sait ça. Oui, et pour beaucoup, c'est à partir de ce jour que ce conflit entre Amelzial et Piastol a vraiment commencé. Eh bien moi, je ne suis pas beaucoup sorti de Ranavel, c'est tout. Bon, on y va. Vous voulez lamentablement échouer. Mais ta gueule? Hein? Nous sommes des héros. Je suis Binko Belsar. Je fais ce que je veux, parce que je suis Binko Belsar. Voilà, alors dis, parce que je suis Binko Belsar, voilà. Alors, je prends pas de vie. Pour la simple, et merde. Pour la simple et bonne raison que j'en ai pas l'utilité pour le moment parce que j'ai un Jiru qui va donner de la vie. Toi, non, parce que surtout j'ai pas beaucoup de potions. Donc là, on fait juste attention au loup, j'ai pas envie de, qu'on m'attaque. Donc on fait attention au loup et aux bestioles qui volent, pourquoi pas. J'aimerais bien trouver une idée. Embuscade! Putain! Bon. On s'est fait, ça je pense que c'est foudre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les défoncer, hein, poudre électrique. Ouais, aujourd'hui, je sais pas, là, en ce moment-là, j'ai envie de prendre de capturer les monstres. Toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas nous donner de la vie à toi. Tout simplement. Faudrait que j'arrive à monter ce putain de sort parce que, il donne que de l'envie. Franchement. Regardez, j'ai bien fait de lui donner de la vie à lui. Je voulais synchroniser avec vous, les gens. Oh, mais ils attaquent 15 milliards de fois. Ouais, non, finalement, je pense que je vais pas pouvoir les synchroniser. Parce que c'est la misère. Oh non, Jiru, il a plus de vie, il a 80 PV. Et mais il va se faire défoncer. Oh non, non. Je suis con, par contre. Et j'ai pas, putain, j'ai rien. Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais utiliser Résonance. Voilà, j'utilise Résonance sur un monstre qui va attaquer ses copains. S'il échoue pas. Il a échoué.
Giroud, toi tu vas prendre malheureusement une potion vitale. Ça sent ta bâche, c'est soit ça ou tu meurs. Oh non, j'ai gaspillé une potion vitale, j'y crois pas. Bon, c'est pas grave. J'aimerais bien que ça synchronise. Allez, commande. Ah, mais là, ils sont milliards. J'ai même pas de potion de frénésie, je crois. Je sais même pas si ça s'achète, en plus. C'est ça, le pire. C'est ça, le pire. Ouais, Charon, il faut qu'il balance des flèches. De toute façon, il a que ça à faire. Raté. Putain ! Flash. La magie se concentre pour produire un éclat lumineux qui éblouit l'ennemi pendant quelques tours. J'en ai rien à foutre. Résonance. Réserve magique. La C puise dans les réserves de PV et récupère des PM. Non. Non. On va pas faire ça maintenant, c'est trop la misère. Allez, dépêche-toi s'il te plaît. Voilà, toi t'es mort. Toi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un bras zéro. Alors, j'ai vu dans un let's play que, en fait... je n'ai pas capturé le Fenrix, alors c'est possible, il fallait juste tuer toutes les petites bestioles qui avaient autour. Et une fois qu'on avait tué le Fenrix, si on l'avait capturé avec les poudres et tout, on pouvait... Bon, c'est bon, il est mort, je ferai une potion de rappel plus tard. Eh bien... Ah, je crois que c'est terre. Non, c'est pas terre. Eh bien, je crois, si je dis pas de bêtises... Qu'on avait une serpe pour... non, une super épée ou un truc du style pour Giroud. Un truc bien puissant. Et bien cool. D'où t'attaques de tour, toi? Oh, le fumier. Bon, là, de toute façon, là, tu vas mourir. Voilà, je t'attaque avec de l'eau. Pourquoi pas, ça t'enlève des points de vie. Et là, j'attaque... La peur, c'est quoi? Ouais, parce que parfois, j'ai les textes. Voilà, il meurt, enfin. Le problème, c'est que tout le monde est peu de vie. Je vais essayer d'avancer au plus vite en esquivant ces trucs. J'ai pas envie de... Oh, il y a un hibou. Oh, il y a une idée. Oh, ça, c'est bien. Oh, comment c'est trop la classe. Et les gens, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Protocole de survie. Oh putain, ça fait plaisir. Heureusement qu'il y a ça. Donc normalement c'est tout le monde. C'est nickel. Et on va sauvegarder. Les gens, on va s'arrêter là dans Redza. Donc dans le prochain épisode, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien tout simplement, dans le prochain épisode, ben, nous allons poursuivre notre aventure dans Redza. Et puis voilà. Bon, sur ce les gens, je vous dis ciao tout le monde. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime sur cette vidéo, ça me ferait grand plaisir de le partager sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter et d'autres machins. De me suivre sur Facebook, Twitter. Rappelez-vous que j'ai un Facebook et un Twitter, que tout est dans la description de toute façon. Et puis voilà, donc sur ce je vous dis ciao tout le monde. C'était Eldrazi.